Ok, merci et bienvenue. Donc, on vient d'entendre un petit peu de Swami Kriyananda parler de l'inspiration et de l'intuition. Et ici, bon, il parle de beaucoup de choses, mais un aspect qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est la communication. C'est-à-dire que il a écrit beaucoup de livres, il a parlé beaucoup en face de communauté, de beaucoup de public. Il a parlé vraiment comme Yogananda l'a fait aussi à un moment. Il a parlé devant beaucoup de monde. Et il parle justement de la manière qu'on a de choisir les mots, de créer une fluidité dans ce qu'on a à dire. Et que ça impacte autant finalement la manière qu'on a de dire quelque chose que ce qu'on dit exactement. Dans d'autres passages qu'on n'a pas lu ensemble, il donnait des exemples comme ça où il donnait un conseil à une personne, et cette personne recevait son conseil, et des années plus tard, en effet, ça avait porté des fruits. Mais si on prenait ce conseil, c'est-à-dire juste ce qui était dit, et qu'on disait la même chose avec un ton différent, ça aurait pu être une insulte pour cette personne. Et donc, énormément, finalement, notre impact sur les gens, de notre qualité de communication avec le monde autour de nous dépend de notre, on pourrait dire, de l'humeur dans laquelle on exprime quelque chose, de l'énergie dans laquelle on dit quelque chose. Et donc, une grande partie de la créativité s'exprime, qu'on soit un artiste ou pas, dans notre vie, dans notre communication avec les gens. De quelle manière on va exprimer, de quelle manière on va écouter aussi, et s'accorder à la personne avec qui on échange. Ok, on va commencer. Donc la thématique, c'est un petit peu la continuité de la semaine dernière. On a parlé d'inspiration. On va continuer bien sûr parce qu'on parle de créativité cette semaine. Et on va entendre aujourd'hui justement un texte sur deux extraits un discours de Swami Kriyananda qui parle de la créativité. Ok, redressons-nous, redressons un petit peu le regard. On ferme les yeux. Et on concentre notre attention, mais dans la détente. On a quelquefois l'idée de concentrer, ça veut dire froncer les sourcils, ou une tension corporelle, en fait, non. Plus on est détendu, plus on va pouvoir manier la tension et la maintenir là où on veut. Gardons-la maintenant à la jonction des sourcils. Et ressentons les battements du cœur, la pulsation à l'intérieur du corps tout entier. Et si on n'arrive pas à sentir cette pulsation, eh ben c'est le signe qu'on a besoin de s'entraîner simplement à le faire. Ça va venir assez rapidement. Une manière de s'intérioriser donc. Puis on va inspirer et expirer profondément et lentement, en rythmant la respiration avec 6 à 8 pulsations sur l'inspire et sur l'expire. Et on ajoute maintenant dans cette pratique, donc là on respire profondément, on ressent les battements du cœur, on s'intériorise déjà, mais on ajoute maintenant ce qu'on appelle la répétition d'un mantra ou d'une affirmation ou d'une prière pour accorder notre mental avec cette conscience plus grande. Prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Au guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie.
une répétition sur l'inspiration et sur l'expiration aussi. Donc ça forme la base ou la pratique intérieure plutôt qu'on va emmener avec nous maintenant dans les étirements du dos, donc respiration profonde, cette répétition intérieure. On peut aussi garder les yeux fermés, rester plus intériorisé. Inspire, on entrelace les doigts. Puis à l'expiration, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos pour étirer l'espace entre les vertèbres. Inspire, on redresse vers le ciel le plus possible. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre, l'inspire, expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Trois respirations ici. Inspire, on étire les bras vers le ciel à nouveau. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient et on se tourne un peu plus loin. On reste là, quelques respirations profondes. On revient au centre, on pose les mains derrière, on soutient. Légère flexion du dos vers l'arrière et on resserre les épaules et les coudes en arrière. Voilà, le cou, on garde un angle doux. On ne va pas trop en arrière avec la tête, on garde un petit peu de l'espace dans les cervicales et on prend 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Voilà, on fait le plein d'air, le plein d'oxygène et d'énergie pour commencer la méditation. On ouvre la poitrine. Encore 10 respirations, un peu plus d'amplitude si on peut. Et on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, le dos est droit, le regard redressé, une grande inspire et on garde l'air dedans. On garde l'air dedans, donc on se détend complètement, poumon plein. Puis dans cette détente, on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et là, on s'arrête de respirer. Le poumon à moitié vide, on plonge dans les sensations intérieures. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre un petit peu. On relâche le ventre et on expire. Voilà, bien sûr, si vous avez besoin de respirer avant,
dans la rétention, les poumons à moitié vides, vous pouvez toujours le faire. Et maintenant, reste un instant détendu, simplement à installer, on pourrait dire, la conscience dans ses perceptions de l'énergie dans le corps. Et sentir l'énergie dans le corps, c'est quelque chose de très agréable et qui crée une joie naturelle. Le corps se réjouit qu'on lui donne de l'attention. Plus la qualité de l'attention est élevée, plus la perception est subtile et plus on va sentir cette joie du corps à être entièrement habité de conscience. Et maintenant, une double inspiration par les narines. Une courte, une longue, et on garde l'air dedans. Donc, poumons pleins, on contracte les bras en serrant les poings, on contracte les jambes, on contracte tous les muscles du corps jusqu'au cou. Et expire. On relâche tout. Et on recommence. Inspire, poumons pleins, on contracte tout jusqu'au maximum. Encore une fois. Va en ajouter une, encore une chance de transformer les tensions inconscientes. On reste dans cette détente et sentez cette transformation des sensations. On sent une sorte de picotement agréable dans les muscles, une présence augmentée, puis cette détente devient bien-être. Ce bien-être change notre conscience. Et dans cette état-là, on inspire maintenant par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. On retrouve notre pratique intérieure, prière continuelle ou répétition d'un mantra. On garde l'air dedans. Expire. Même rythme, même pratique. Inspire. Poumon plein. Expire. Dernier cycle, inspire. On garde l'air dedans. On ressent aussi ce calme, cette harmonie intérieure. Expire. Que les respirations triangulaires installent. Puis on prend une grande inspiration et on abandonne le contrôle de l'air. Voilà, on vient littéralement de s'immerger dans, on pourrait dire, une rivière d'énergie, un courant d'énergie qui s'écoule en nous constamment. On veut garder notre attention dans cette immersion,
dans cette perception-là. En écoutant donc ce texte sur la créativité de Swami Kriyananda, ce texte, ce discours en fait. Le sujet de la créativité dépasse largement le cadre de la musique. Je souhaite que ce discours englobe la créativité en général, car on peut être créatif non seulement dans les arts, mais aussi dans la cuisine et dans sa façon de parler avec les gens. De nombreuses personnes constatent que par manque de créativité dans leurs relations avec les autres, elles ne disent pas les bonnes choses au bon moment parce qu'elles ne s'expriment pas de manière appropriée, même si ce qu'elles disent est vrai. En fait, j'ai souvent constaté que le travail avec les gens était l'une des choses que je devais faire en priorité dans ma vie en tant que ministre, en tant que fondateur d'une communauté, en tant que personne s'adressant au public. J'ai dû faire des suggestions aux gens. Je ne me considère jamais comme un enseignant, mais comme quelqu'un qui fait de son mieux pour partager avec les autres le peu qu'il a expérimenté dans la vie. Et je le fais en partie parce que je trouve que j'apprends beaucoup plus lorsque je partage que lorsque je garde tout pour moi. Et donc, un aspect qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voilà, cet art de la communication demande en soi forcément une dose de créativité pour pouvoir être dans une relation fertile avec nos proches, avec nos amis, avec tout notre entourage. On a besoin d'une certaine dose de créativité. Et la première manière pour recevoir cette inspiration et être créatif, on se rappelle, c'est l'écoute. Donc on peut appliquer ça aussi bien dans la méditation maintenant, ce qu'on va faire. Aller dans l'écoute, dans le ressenti de la respiration, pour retrouver l'intuition et l'inspiration dans le sens spirituel, mais on peut aussi l'appliquer à la relation. Entrer en relation pour commencer par écouter l'autre. Et à partir de cette écoute extérieure et intérieure, entrer dans une interaction créative. Alors maintenant, allons dans l'observation du souffle, l'écoute du souffle dans les narines. Et on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. Maintenant, si on écoute et qu'on est créatif dans notre écoute de la respiration, quand je parle d'écoute, je veux dire de ressenti, on peut découvrir que dans l'inspiration, on a une fraîcheur, mais aussi une sorte de croustillance, une vivifiance, comment dire, une énergie qui nous réveille. Et dans l'expiration, une détente, un réconfort
C'est un peu comme être au coin d'un feu. Donc profitons de l'écoute de la respiration ici pour entrer dans une expérience plus riche de cette respiration. On intègre maintenant le mouvement de l'index de la main droite. Donc les paumes sont posées sur les cuisses, orientées vers le ciel. Et à chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'un centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles du corps un petit peu plus. Intègre maintenant aussi le mantra Hong accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement, et So accompagne l'expiration naturelle. Et on apprend chaque jour à conduire un peu mieux la conscience à travers la méditation. Aussi, quand vous reconnaissez les étapes par lesquelles on passe chaque jour, quand vous reconnaissez l'endroit du retrait des sens, ce changement de perception du corps, vous abandonnez le mouvement du doigt. Et dans l'immobilité et la détente, vous approfondissez ce bien-être qui apparaît en nous.
On prend une inspiration profonde. On expire en trois fois. Et on abandonne les trois techniques. Observation du souffle, mouvement des doigts et le mantra. Et on commence donc cette phase d'expansion par ressentir l'état dans lequel ces pratiques nous ont emmenés. Aujourd'hui, c'est par l'écoute que l'expansion se fait, l'écoute et la créativité. Trouvez pour vous-même, explorez en vous-même les subtiles couches de perception que vous pouvez atteindre maintenant. Cette perception devient plus large que le corps lui-même. Elle peut devenir aussi une perception de l'environnement, comme si on était unis ou non séparés. Bienvenue pour prolonger ce temps d'expansion encore. Une belle journée à tous. À très bientôt.